Servent est donc un artiste catalan avant d'être espagnol, comme tout catalan, qui est né en août 1957, donc c'est un artiste qui est jeune, et qui est né à Llivia, en Catalogne, à la pointe là, de la Catalogne, entre la France et l'Espagne, et qui est une région où il y a beaucoup de granit et de fer. Et avec le granit, on marque les lieux, les terrains, on délimite les terrains, les propriétés, les champs, etc. Et c'est certainement quelque chose qui a marqué le petit garçon qu'il était, qui a vécu là-bas les trois premières années de sa vie et qui y retourne régulièrement. Et comme on ne crée jamais dans quelque domaine que ce soit ex nihilo, eh bien on retrouve le granit et le fer dans son œuvre. Et ça, je crois que c'est très important. Il est plus dans la courbe, pour ce qui est en tout cas du corten, et plus effectivement dans le cube, le carré, la ligne, pour ce qui est du granit, du marbre, qu'il peut utiliser. Si son œuvre est abstraite, et elle l'est indéniablement, personnellement, j'y vois quand même des personnages. Et alors parfois plus que d'autres, parfois les sculptures sont plus abstraites que d'autres, mais il y a quand même toujours cette idée de sculpture qui nous regarde, qui s'adresse à nous, qui nous parle, etc. C'est aussi un artiste qui a justement un grand sens de l'espace. Il est un des rares artistes qui est capable de mettre lui-même son œuvre en espace. Et dans l'exposition du jardin aujourd'hui, il a participé avec son amie Danielle Martinez, la directrice de la base sous-marine, mais il a grandement participé à la mise en espace de son travail. Et ce qu'il est très important, c'est que Sirvent est capable de faire le lien entre le paysage et la sculpture et l'architecture, et même de réunir ces trois éléments. Et ici, dans ce jardin, je ne sais pas si c'est la sculpture qui magnifie le jardin qui magnifie la maison, la sculpture, enfin, tout ça est une espèce de, en tout cas, de triumvirat qui fonctionne extrêmement bien. Et voilà, j'invite donc les Bordelais qui le souhaitent à me contacter, à venir découvrir cette œuvre magnifique et magistrale.